Les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus, hein, qui fait que je vais me partager avec vous. Aujourd'hui on vole pas en drone, on n'explore pas des ruines, on est dans d'anciennes carrières abandonnées qui datent du 16e siècle. Allez, c'est parti! On est dans les espaces de roulage des carrières, on n'est pas vraiment encore dans les salles principales. Désolé pour les ombres, hein. Il y a l'osmo, il y a le téléphone, ça cache un peu ma tête. Donc on est dans les accès en fait au fond des carrières. Sur les côtés, je vais vous montrer, on a des salles en fait qui ont été creusées en plus. Mais ces accès là où on se trouve actuellement, ça servait surtout à faire passer les chariots, les voitures, pour extraire toute la pierre qui était découpée à l'intérieur de ces carrières. Donc je profite d'une petite pause ravitaillement pour vous faire un petit historique en fait de ces carrières. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, c'est des carrières qui ont été démarrées à partir du 16e siècle. Donc c'est tout simplement un batelier qui a racheté tout le secteur pour pouvoir en faire des carrières. Donc en fait ce batelier, pourquoi il a acheté ces carrières? Tout simplement pour développer son activité. Pendant 5 générations, la carrière elle est restée dans la même famille, donc petit à petit ça s'est modernisé. C'était d'abord des hommes qui poussaient des wagonnets, et puis après c'est passé à des chevaux, puis des camions. C'est vraiment dans les années 1890 que l'exploitation de ces carrières est à son apogée, et qu'elle se développe au maximum, tout simplement pourquoi? Parce que Paris se construit, et qu'il y a besoin de pierres pour construire Paris. Et donc c'est les pierres qui sont extraites de ces mines qui seront envoyées à Paris pour construire les immeubles haussmanniens qu'on connaît aujourd'hui. La carrière a ensuite été abandonnée, puis rachetée pour en faire une champignonnière qui a été exploitée pendant de nombreuses années avant à son tour d'être abandonnée. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, tout simplement parce que j'ai plus énormément de batterie sur le panneau LED et qu'après vous n'allez pas pouvoir me voir. Donc j'espère que ce petit format de vidéo qui sort de l'ordinaire de ce que je fais d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, on pourra faire d'autres vidéos à l'intérieur, aller plus loin encore dans les carrières. Là, on va continuer nous un petit peu l'exploration et on reviendra ici incessamment sous peu. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo vendredi soir. À bientôt.